Je marche le long du cimetière du Montparnasse et j'ai une pensée pour Charles Aznavour qui vient de nous quitter. Une belle âme, une grande âme, un grand monsieur. Et rien qu'une phrase de lui va m'inspirer pour la journée. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays du soleil. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Eh bien, quelques phrases, quelques mots qu'on se dit pour démarrer la journée, au milieu de la journée, quelque chose qui ouvre, va nous nourrir plus qu'on ne pense. Bien souvent, on est dans les habitudes, dans la routine. Là, je suis dans la rue, il y a des voitures qui passent, il y a du bruit. Et d'un seul coup, quelque chose s'arrête et je pense à Aznavour. Et d'un seul coup, tout un monde de chansons, tout un monde de lumière, tout un monde de musicalité m'envahit. Et je sais que je vais être nourri pour la journée. On peut se nourrir de plein de choses. On peut se nourrir d'une ligne dans un livre. On peut se nourrir d'une parole d'un enfant, d'un sourire d'un enfant. On peut se nourrir d'une réflexion, d'un mot sur un mur. Tout est nourriture. Eh bien, je vous souhaite de vous nourrir agréablement aujourd'hui. Inutile de se gaver de plein de livres, plein de choses. Une phrase, une seule, un bon mot. Et me voilà plein pour la journée. À bientôt. Bye bye.